L'épisode 10 pour conclure Agnès Lobby. Parfait, parfait. Donc, dans le dernier épisode, on a battu le CP9. Du coup, là, c'est vraiment pour conclure et tout. C'est vraiment l'épisode final de l'arc. On va conclure l'arc Agnès Lobby là-dessus. Donc, au départ de la cité sur l'eau. Au revoir, mes enfants bien-aimés. Après avoir libéré Robin, Luffy et l'équipage pensent les blessures qu'ils ont subies pendant la bataille sur Agnès Lobby lorsqu'une personne mystérieuse apparaît. Et là, c'est la première fois qu'on va voir le grand-père de Luffy. Donc on a le choix entre Luffy, Zoro, Sanji. Donc cette fois-ci, je vais bien prendre Zoro, tu vois.一味のために新しい船を作りたいと申し出る。ルフィたちはフランキーの提案を喜んで受け入れ、新たな船の完成と未だ戻らないウソップを待つことになった。そこに突如海軍本部中将、げんこつのガープが現れる。ガープは長年にわたって海賊たちと戦い伝説の海兵と称される強者である。 ガープは長年にわたって海賊たちと戦い伝説の海兵と称されるつわものである。アキンカールフィー、じいちゃん、愛ある拳は防ぐすべなし。随分暴れとるようじゃの、ルフィ。ガープは孫であるルフィを強い海兵にするため幼い頃から鍛えていたが、赤髪のシャンクスの影響で勝手に海賊になったことに激怒していた。シャンクスは 俺の命の恩人だ。悪く言うな。いやあ、ごめんなさい。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。そもそも赤髪がどれほどの海賊か、お前分かってるのか。シャンクスはグランドライン後半の海に君臨する4人の大海賊、4皇の一角を担う強大な海賊であると語るガープ。その4皇を食い止める力として海軍本部、 オーカ七部会が存在し、3つの勢力が拮抗することで世界の平穏は保たれているという。さらにもう一人、ルフィの肉親に衝撃的な人物がいることが判明する。その人物とは革命家モンキー・D・ドラゴン。ルフィの実の父親だという。ドラゴンは世界政府打倒を目指す革命軍の頂点に立つ男であり、 知らぬ者はいない世界最悪の犯罪者である。あ、これやっぱ言っちゃまずかったかの。<笑>今のなし。さて、お前はわしの孫なので、この島で捕らえるのはやめた。と軍には言い訳しておくので安心しろ。その後、一人の海兵がルフィの前に姿を現す。お久しぶりです。 僕が誰だか分かりますか？僕です。コビーです。覚えていませんか？チビで泣き虫だったあのコビー。本当か？海軍総長コビー。彼は イーストブルーでルフィとゾロに会える夢を後押しされた少年である。近くにお二人がいるといて、いても立ってもいられなくて、今の僕があるのはお二人のおかげですから。 T'as n'empêche, heureusement que son design il a changé parce qu'il était dégueulasse au début. しかしお前、成長期にも程があるぞ。驚いた。 なんでグランドラインにいるんだ？まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知ってますか？新世界、次の時代を切り開く者たちの集う海、その海を制した者こそが海賊王です。 僕、もっと強くなりますから、必ずまた新世界で会いましょう。新世界、杉原さん。
気配書見ましたか？サンタ、とんでもねえ額ついてるぜ。それに他のみんなも追加手配されちまってる。うわぁ、上がった。ソゲキングにもついてるぞ。Ah d'ailleurs la fiche de Zoro c'est celle avec son haut jaune bizarrement. J'avoue que Chopper il se fait pas respecter, miskin. いろいろと言いたいことはあるだろうが、見てほしいのはこっちなんだ。兄貴が賞金首になっちまった。このウォーター7兄ちゃん、兄貴の命が危ねえんだ。きっと兄貴は俺たちが心配で島を出ようとしねえからよ。兄貴を海へ連れ出してくれ。あの人、もともと海賊の子なんだよ。夢の船が完成したぞ。フランキーの兄貴がみんなを呼んでこいって。あと出航したはずの海軍が戻ってきてるんだ。急いだ方がいいかもしれねえ。じいちゃんが。Bon allez on y est, j'ai mis pas mal de temps pour équiper les nouvelles techniques. Donc j'ai rajouté des combos à Zoro, j'ai mis des nouvelles techniques et tout, je vais vous montrer tout ça. Déjà il y a ça. Ah là là, c'est tellement plus stylé, des nouvelles spé. Chuchu, son son. Allez hop, ça dégage. Allez, on a pris la première base. Bon, ça par contre, je l'ai laissé parce que c'est trop utile. Ah, voilà, ça y est, on voit enfin le Sunny. Attends, parce que cette technique, elle est grave stylée en vrai. Oh là là. Ah, mais on est contre Kobe, ça y est. Alors, attends, je vais rentrer la nouvelle... Attends, avant de lui rentrer la nouvelle spé... Je vais quand même... Hâte de bouger, Kobe. Voilà. Maintenant, je vais rentrer la nouvelle spé. Oh là là, elle est tellement stylée, celle-là. Ashura. Tiens, t'es moi aussi, je peux rentrer en éveil. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? 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 Moi, je te démarre, moi. Moi, je t'encule, moi. Moi, tu me connais pas, moi. Voilà, il be like, je sais pas d'où je viens, moi. Et voilà, ça dégage. C'est ciao. Comme dirait un certain youtubeur. Il m'a juste un full carré, frère, c'est énervé. Bon, alors attends. Ensuite, on va passer par là. Shinsekai. Ah mais ça change d'utiliser des belles spé quand même. Me dis pas que ça m'a stoppé. Oh, un commandant. Allez, c'est chaud. Ça dégage. Hey, hey, ils sont 100 000. Le grand nettoyage de printemps. Alors attends, lui il est là. On va s'occuper de toi. Tiens, mais ça change du Sanzen Sekai. C'est stylé, mais ça y est, on l'a bien vu, tu vois. Maintenant, changement de spé, mon gars. Là, ça y est, c'est fini tout ça maintenant, c'est démodé. Cyborg Frankie,
Donc attendez, là j'ai des boss à me faire. Allez hop, c'est ciao. Oh, elle est tellement stylée cette technique. Pète sa mère. Pète sa mère. Si je vais aller faire la quête secondaire quand même en balle. Parce que c'est important. Allez hop, voilà. Maintenant on va faire la quête secondaire qui a 10 000 km comme... Comment qu'est-ce que de par hasard? Allez, ça dégage. C'est ciao. Duffy. Donc là je vais devoir parcourir 800 km, t'as vu? C'est... Ça fait plaisir. Attends merde, c'est pas par là. Ah ouais mais d'accord, faut pas... Ah ouais mais casse les couilles un peu. Merde, je me suis donné trop de santé là je pense. On a rien vu. Ah mais j'arrête pas de me prendre les trucs, ça casse les couilles. Ah mais c'est fait exprès, c'est un sketch. Ok, Garp il est là. On va se le faire. Garpounet. Ah, il est imposant Garp là quand même hein. Allez hop. Putain il a rien senti l'enculado. Attends, je vais mettre... Par réflexe j'ai appuyé sur option mais c'est pas option. Je vais mettre le bandana parce que si Zoro devait se mettre sérieux contre Garp il l'aurait fait. Je le sais. En plus quand j'utilise cette épée ça passe mieux. Allez hop, t'as pas vu la saison 2. Mais j'en ai rien à foutre de ton mode éveil. Oh, je l'ai démarré, Garp. Oh. En fuite. Ok, alors attends, il y a une autre quête à faire. On va se dépêcher, faut speeder là. Garp se replie temporairement, ok. Mais là, attends, de toute façon, j'ai pas le temps pour ces conneries. Merde, par où je passe, moi? Je vais où? Je vais aller là. Putain, je commence à partir n'importe où, là. Je sais pas où il faut aller. Attends, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Faut que j'aille vers la couronne dorée, là. Faut que je me dépêche. J'ai même pas le time d'affronter les autres, là. Bah les couilles de l'Himalaya mon gars. Mettez une raclée à Franky et reprenez le sous-vêtement. Ok attends, déjà je peux enlever le bandana. Eh ouais, quand même. Donc on va se faire Franky. Oh par contre là je suis désolé mais je les vois tous comme ça, ils sont là. Ah oui. C'est trop satisfaisant. Attends par contre Franky, je sais pas où il va, je sais pas où il a cru aller. Mais la tête d'homme, t'es mort. T'es mort, t'entends? T'es mec qui se vénère. Oh, il est stylé ce combo, hein. Alors tiens, je vais bouffer ça. Onigiri. Mais passe en mode éveil, j'en ai rien à foutre. Putain. Voilà, on stop Franky nous. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Mais venez, amenez-vous. Moi je vous pète la gueule moi. Putain, c'est vénère. C'est vénère. La Zoro il est jouissif à jouer. Alors vous. T'es trop stylé cette attaque. Ok le chef est apparu. Ah mais non il y a Franky il est de retour.
Oh, je vais repéter sa garde en balle. Allez hop. Mais t'as cru que j'allais te laisser partir comme ça, Franky? Franky Vincent? Oh, je kiffe ce combo, il est trop stylé. Oh, mais par contre, Shishi Sunsun, elle pète sa mère cette attaque, hein, vraiment. Regarde bien comment j'en ai rien à foutre de ton mode éveil. Je ne te respecte pas. Voilà! C'est comme ça que ça doit se passer. C'est ainsi que les choses doivent se passer, c'est comme ça. Je suis désolé, c'en est trop. Le grand nettoyage de printemps. Ah, c'est grave, c'est pas legit ce que je mets. Bon allez, le mec là-bas, on va se le faire. On va faire un peu de nettoyage quand même, parce que voilà quoi. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. On va essayer de libérer la zone aussi, tant qu'à faire. Je kiffe ce combo, il est trop stylé. Zoro, il vole, frère. Donc, Franky, attends. T'arrêtes. Ok, s'en battent les couilles. Ça marche. Bah, je le prends mal. Oh, je suis là. Elle pète sa mère, cette attaque. Ashura. T'arrêtes. Y'a pas de super avec moi. Aïe. Alors ça je permets pas ça. Va te faire un coup là ado. Ça Franky je permets pas ça. Je peux pas te laisser faire ça. Vous avez terrassé et arrêté sa progression. Est-ce que ce sera définitif? Quelle est la question? Ah Franky, tu bouges plus hein. Tu bouges plus Franky hein, attention. Ah parce que le voleur de sous-vêtements, il en a du chemin à faire hein. Putain, je vais attendre que Franky se relève. Parce que c'est très probable qu'il se relève. Putain, le visage des Zoro, il est stylé quand même hein. Ça y est, il s'est relevé. Miskin, à peine il se relève, je mets déjà du cul. T'as par contre cette technique limite, je la trouve plus stylée qu'Ashura, je sais pas pourquoi. Ouf. Ah, ce combo il est trop stylé la vie. Alors vas-y t'allumer, Ashura. Oh là là, je l'ai éclaté. Franky est dans la capacité d'agir, carrément, ils ont dit. Attends, je vais passer par là, par contre. Attends, je sais pas. Non, c'est bon, il a réussi à le ramener. Faut arrêter au bout d'un moment. Non, Franky. Reviens ici. Franky, reviens. Mais... Voilà. Attends, ça devenait insolent, là. Ça, je permets pas. Hey, tu bouges plus, hein. Voilà. Bon ensuite, le voleur de sous-vêtements, c'est bon là, t'es arrivé? Faut avancer hein, monsieur. Ah, fallait que j'amène Franky, je suis con en fait. Ok, attends, Chopper, j'arrive. Meurs pas tout de suite, frérot.
Non, 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 tu vas pas mourir. Non, en fait, Frankie, comme un con, moi, je l'empêchais de venir, alors qu'au bout d'un moment, en fait, l'objectif... Ouais, je suis con, en fait. Bah, pourquoi j'ai dû mettre trop de temps comme d'hab, parce que je vais certainement pas avoir un rang S. Attends, ça, je permets pas, ça, par contre, hein. Pas commencer avec mes couilles, hein, moi, je te le dis, hein. Mode chopper, je suis là. C'était une raclée à Frankie, usée de persuasion pour lui faire rejoindre l'équipage. Ok, attends, juste je termine celui-là. Et je m'en occupe. C'est comme si c'était fait. Voilà. On aura libéré pas mal de zones. Maintenant, on y retourne. Ah, oh, parfait, un peu de santé, ça fait pas de mal. Et ensuite, on va aller se faire Frankie. Par contre, il y a pas mal de chemin. Putain, c'est chiant. J'espère que... Ouais, non, c'est bon, c'est par là. Non, attends, je peux passer par là, en fait. Non, c'est plus pratique, même, de passer par là. Ah, c'est vrai qu'il y avait eu un tsunami. C'est pour ça que c'est un peu plus vide, si je dis pas de conneries, par là-bas, là. Allez, on voit le Sunny juste ici. Tête sa mère. Oh, le cul que je lui mets. Chut, chut. Son, son. Regarde bien, je te démarre, Frankie. Nami, elle est en danger, elle aura pas le temps de clamser, t'inquiète pas. Regarde bien. La touche finale. Voilà. Attends, je vais aller prendre le coffre. Et je vais me soigner. Victoire sur Frankie. Je vais vite aller aider Nami du coup, parce qu'apparemment c'est pas ce qui termine la mission. Donc on va vite se dépêcher. Mais je dois en faire des allers-retours, je te le dis. Hein. Putain. Oh, con. Ah, c'est bon. そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー、こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。 出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て 償いだ。もういい加減に自分を許してやれよ、フランキー。なんだ？ ね、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ。でも少しくらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロつきを拾ってくれた第四人のあんたの幸せも考えたらダメですか。
俺の船に。生意気言うんじゃねえよ。ハリボテ修理しかできねえ素人どもめ。これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不憫だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったー。ちょっと行ってくらー。ah, c'est pas fini. Putain, en tout cas c'était stylé hein, la cinématique, rien à dire hein. Non, franchement, les Pirates Warriors ils gèrent niveau cinématique quand même. Hein. Ah oui, il y a Usopp maintenant. Eh ouais, Usopp. Yokai, Captain. Yokai. Oh putain, y a Kuzan. Oh l'enculé. Les pouvoirs de Aokiji ont fait apparaître des murs de glace sur la carte. Non. Oh l'enculado. Va te faire enculado, Aokiji. Oh là là, ce que je leur mets n'empêche. Je leur mets une belle fessée là. Attends, je vais aller aider Usopp. C'est rien que je perds du temps avec les randoms. Donc je dois péter le mur. Allez hop. Attends, mais par où il passe? Ah Usopp, tu fais quoi? Lui se barre sans moi, il a pas le temps, Usopp frère. Bah après il a raison. Ah ça j'ai permis pas par contre. Oh là là. Oh je les ai retournés. Allez on n'atteint pas 2500 KO, il y a déjà Aokiji. Aïe. Bon ça va finalement, on lui met du cul à Aokiji, ça va. Arararara. Ok, alors attends, pardon. Aïe, putain, ah, il est chaud. Regarde, j'ai passé en mode éveil, moi aussi. Regarde bien si je te casse pas la bouche. J'espère que je te démarre bien ta race comme ça. Tiens, morfle. Déguste. Ah, c'était pas assez encore, hein. Ah ça lui va mieux quand même ce genre de technique, mais avec le bandana. Jure que je l'ai battu, ça y est. Chet. Bah c'est bon, je peux enlever le bandeau du coup. Alors maintenant qu'on s'est bien occupé d'Aokiji, qu'on s'est bien fait enculer aussi, on va s'occuper des randoms. Ah oui, de la santé. Plus 3000. Oh là là, mais c'est pas legit.
Ok, il y a lui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Juste à suivre Usopp pour l'instant. Usopp, il est pas là. Usopp, tu te branles. Qu'est-ce que tu branles, le comte Taras? Voilà. C'est bien, avance. Donc là, maintenant, je dois le traquer, frère. Enfin, je dois le traquer. Je dois le protéger, quoi. Je suis son bodyguard. Allez, on y va. Hop, hop, hop. C'est parti. Allez, ne perds pas de temps avec ces vulgaires merdes. On y va. Putain, comment je les ai salis, genre. Ne perds pas ton temps avec ces grosses merdes. Allez. Oh, je kiffe le bruit, tu sais, quand je leur pète la garde. Mais par contre, cette technique, je la trouve plus stylée qu'Ashura. Alors qu'Ashura, je kiffe cette technique sur Zoro, tu vois. Et on a atteint les 3000 KO. Par contre, vraiment, on n'aura jamais rang S sur cette mission. Hein. Mais Usopp, tu mets du temps, là. Tu fais pas d'effort, Usopp. Putain, mais par contre, on a Luffy en tenue orange. Ah, j'utilise pas du tout Ashura, en fait, je suis un connard. On est guéri. Non, franchement, les combos, comment ils ont changé entre Pirate Wars 4 et 3, c'est ouf. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'en balle, je fais Pirate Wars 3. Parce que comme ça au moins je fais les arcs manquants, tu vois, qu'il n'y a pas dans le 4, parce que ça me frustrait en fait de pas avoir tous les arcs, tu vois. Le grand nettoyage de printemps. Allez, là je le claque, là. Nique sa mère. Trop vénère cette attaque. Voilà, allez, on n'en parle plus. Voilà, Usopp peut arriver à destination. Attends, d'ailleurs, j'ai bien envie de le voir de plus près, le navire. Parce que le Vogue Mairie, du coup, c'est fini. Et là, c'est le Thousand Sunny. Shikoda. Sanji et compagnon battu en retraite vers le nouveau navire. Là, je vois pas ce que je peux faire de plus en vrai. Garp! Ok, bon bah ramène-toi. Allez hop, on n'en parle plus. Je casse la bouche une bonne fois pour toutes, c'est réglé, tu vois. Bakamono. Ouah, ça fait mal à Ashura quand même, hein. Allez hop, on met le bandana. Ah non, Luffy, je te déteste. Oh, Luffy, je te hais. Ah, c'est bien, on peut s'éveiller même en l'air. Vas-y, on lui rentre un gros Ashura là. Luffy, je te déteste. Est-ce que tu le sais, ça? Le touche pas, ne le touche pas, Luffy, calme-toi. Voilà, c'est pas compliqué.
Comment démarrer la garde de Garp? Oh là, ce que je suis en train de lui mettre par contre. Quelle insolence. Non, y'a pas de Gomu Gomu no là, tu fermes ta gueule, tu me laisses le finir. Allez hop. Voilà. S'il te plaît Luffy, fais un effort, fais un effort. Ça y est, c'est bon, on en a terminé avec cette mission. Vas-y, moi je retourne vers le Sunny. Ah, par contre, la mission elle a dû mettre grave longtemps. Hein. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue en vrai, la dernière mission de Denis Lobby. Hein. フランキーを仲間に加え、海軍の追撃を飼い組み、新しい船に乗り込んだ麦わらの一味。だがそこにウソップの姿はなかった。やがて船は出航し、ウォーターセブンの町は小さくなっていく。その時、船を追って一人の男が現れた。 俺が悪かった。今さらみっともないんだけど、俺一味をやめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえだろ。ダメかな。頼むからよ。お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。 サニー号から伸びたルフィの腕がウソップを掴み、船に引っ張り上げる。ようやく全員が揃い、一味は歓喜に沸き立つのだった。サウザンドサニー号。過酷なる線の海を太陽のように陽気に越えていく船。アイスバーグが提案した船の名前を気に入った一味は本格的に船を出す。さあ行くぞ。驚異の緊急加速装置。 クードバースト。クードバーストによって一気にガープたちの砲撃から抜けた麦わらの一味はサニー号と共に新たな航海に突き進む。メリー号にできてこの船にできねえことは何一つない。だがあの船の勇敢な魂がこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。 Rombé carrément, dur. J'ai mis tellement de temps. Ah, c'était stylé. Bon, bah voilà, on conclut bien Inès Lobby. Nickel, 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 nickel. Bon, j'espère que j'ai obtenu ma Shun. Parce que, en vrai, le plus intéressant en fait, c'est débloquer les nouvelles techniques et les nouveaux combos. En fait, le reste, c'est inintéressant, tu vois. Oh, 200 000 balles, Bobas. Okiji, parfait. Et Lucci, quel régal. Alors, la tenue après Water 7 de Luffy peut désormais être sélectionnée. Donc, en fait, la tenue après Water 7, vu qu'il n'y a pas l'arc en question, c'est la tenue de Thriller Bark, en fait. La tenue après Water 7 de Usopp. Comment ça, la tenue de après Water 7 de Usopp? Ah, ok. Donc, ça, avec son lance-pierre de Sniper King, en fait. Ok, ouais. Je vois. Ouais, j'étais en train de me dire, sa tenue change pas spécialement après, enfin, je crois. Ok, donc ça, ce sera le prochain arc. Ça commence avec... bon, ça va être principalement Marineford, mais ça va commencer avec l'archipel de Sabaody, du coup. Ok. Ça marche.
Bon, bah on se laisse ça pour le prochain épisode, du coup, hein, voilà. Donc là, c'est, ça marque la fin de cet arc, l'épisode 10, du coup. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like pour me le faire savoir. J'ai beaucoup couru dans cet épisode, je suis désolé, mais bon, c'était la mission en même temps. Donc n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Donc on commence un nouvel arc dans le prochain. Donc voilà. Moi, sur Soleil Nakama, je vous dis à la prochaine. Jana.